Pour l'édition 2015 de la nuit hors thème Ségou, elles sont sept prétendantes à la couronne de Miss. Cette nuit a regroupé dans la salle Merouba le grand public, les autorités régionales, les partenaires et plusieurs personnalités. Le concours Miss ORTM a pour objectif essentiel de réhabiliter la femme malienne en général et la femme ségouvienne en particulier dans ses aspects physiques et vestimentaires. Pour l'édition 2015, le comité syndical a voulu mettre un accent particulier sur la réconciliation nationale. Aucune famille, aucun village et aucun pays ne peut se développer dans la division. Les sept candidates, au-delà de la beauté physique, se sont rivalisées pour faire découvrir au public le Mali pluriel uni dans sa diversité culturelle. Ainsi, de la falaise de Bandiangara à l'Adrar des Euphoras, la culture Bambara ou Peul, chaque contrée du Mali était sur la scène. Merci ceux qui accompagnent l'ORTM Ségou et l'ORTM Bamako dans l'organisation de cette manifeste, qui est un véritable rendez-vous et qui est un témoignage de cohésion sociale. C'est finalement Kanou Marcel Koné, étudiante à l'université de Ségou, qui a été sacrée Miss ORTM Ségou 2015. Elle a comme première dauphine Badialo Touré du lycée Ikra de Ségou et deuxième dauphine Fatmata Diallo du lycée Michel Allaire. La cohésion sociale, elle a été ici exprimée à travers le passage de Koné, de Traoré, de Touré, de Diallo. La preuve que notre pays est un pays de riche culture, un pays de brassage, un pays où on s'accepte, un pays où on se veut un. Les artistes en herbe, Mamadou Rentier, Ablaye Diarra et l'inoxydable Ablaye Diabaté ont donné un cachet particulier à l'événement.